Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir Haïti. Bonjour, bonsoir le monde. Bonjour, bonsoir tous les amis, famille On TV. C'est avec plaisir encore une fois nous présenter dans le salon La Caillou pour nous capables de porter information et sur le plan national ou sur le plan international. Et bien, avant nous entrer en dans information qui nous porte pour nous, l'important est pour nous remercier et vous un gros coup de chapeau pour chaque grain d'ami On TV qui toujours nous love là qui toujours applaudit nous et remercie nous pour gros bout de tonton information qui nous toujours porte pour vous sur le plan international. Dossier les États-Unis Venezuela Nicolas Maduro. Et bien, dans le moment on a parlé là, Américains eux-mêmes, ils ont entouré toute Caraïbes là avec bateau de guerre. Mais yo entouré avec bateau de guerre en façon que pour nous capable et bien gain contrôle Venezuela puis capable gain contrôle Nicolas Maduro pendant n'a parlé à ces trois pays qui responsable sécurité Nicolas Maduro qui c'est une tâche qui pas aussi facile pour et bien Américains eux-mêmes ils étaient capable entrer prendre Nicolas Maduro Jean eux-mêmes ils ont toujours souhaité comme si et bah la facile. Mais si c'était facile, et bien je dis à Nicolas Maduro, soit il était en prison, ou bien il était mort, ou bien il était mis derrière l'autre côté, il était quitté sacré les politiques là. Parce que c'est ça, les Américains ont besoin. Ils ont besoin pour Nicolas Maduro retirer col directement dans la politique, mettre le dans un coin, ou bien pour l'exiler. C'est ça, et bien les Américains ont même souhaité, si toutefois ils ne peuvent pas entreprendre Nicolas Maduro. Et bien, les Américains ont dit que le bateau ça y est que vous mettez sous l'eau, c'est pour et bien veiller les gens qui font trafic de drogue. Mais c'est pas ça tout dit tout nous connaissons ça monde qui responsable pour faire travailler ça yo c'est Gagot qui responsable pour faire jambe barre ça yo et bien d'après notre administration Donald Trump l'a mis de yo ça a prouvé clair et bien c'est président Nicolas Maduro américain au besoin attaqué donc après notre ça moi pense que le monde ouais à clair ça et bien administration Trump ou bien les États-Unis yo accusé président Nicolas Maduro a qui ont latrié l'autre gros bouton ton autorité l'autre gros bouton ton chef dans pays Venezuela tout monde ouais et bien c'est faux que ouais après note ça et bien les dirigeants vénézuéliens Nicolas Maduro récemment accusé des trafics de drogue par les États-Unis devrait appréhender de l'histoire et accepter une offre et de l'administration Trump de négocier sa sortie a déclaré lundi dernier et bien un haut responsable de l'administration Donald Trump. L'histoire montre que ce qui ne coopère pas avec les forces de l'ordre américain ne s'en sort pas bien, a déclaré le responsable lors d'un appel aux journalistes. Nicolas Maduro regrette probablement de ne pas avoir accepté l'offre il y a 6 mois. Nous exhortons Maduro à ne pas regretter de ne pas l'avoir pris maintenant. Donc ça prouve que à clair que monde dans lui-même c'est mafia seulement qui a dirigé, c'est mafia qui a dirigé parce que pas gagne monde de bien qui a dirigé monde là parce que gagne une question de coronavirus lui-même qui a éparpillé colle tout partout dans le monde, surtout dans pays les États-Unis côté gagne en pile monde qui a perdu la vie yo et bien ouais messieurs eux-mêmes qui ça qui côté priorité c'est dans bataille qui priorité et pour montrer que eh bien, grand plusieurs pays qui prouvent que ça américain a fait à que l'IGIS que eh bien yo accepté eh bien déjà gagné une quantité de 22 l'autre pays eh bien qui supportait déploiement bateau de guerre américain voyé sous toute Caraïbes là eh bien ouais avait dit déjà gagné 22 pays automatique eh bien bateau déployé eh bien sous toute Caraïbes là qui étant accepté qui étant bat bravo pour yo entrer eh bien mais ça que yo di a c'est pas l'objectif là vraiment yo di que c'est pour empêcher nèg entrer avec drogue dans pays yo mais c'est faux c'est une attaque nèg a tenté faire sur Nicolas Maduro nous songe ça qui t'est passé ça a pas gagné autant 2 ou 3 mois côté nèg yo mais t'es exécuté un gros bouton ton chef faut que nous pas oublier même Jean Jodi a déjà gagné 22 pays qui supportaient déploiement bateau de guerre que américain voyé sous toute Caraïbes là et côté yo Américain fait qu'on est que bateau ça y est pour capable veiller et bien moun kap fait trafic drogue qui c'est faux et faut que nous songe côté les administrations qui ont planté prendre décision et bien pour te mettre 55 millions de dollars sous tête Nicolas Maduro avec nous la trier moun qui beaucoup tel 15 millions c'était pour Nicolas Maduro plus reste pour l'autre yo et bien côté t'es déjà gagné plusieurs pays
en Europe là qui c'est allié américain qui était déjà voté, qui était déjà accepté pour américain arrêter président Nicolas Maduro. Côté pays ça yo même yo te fait connaître que eh bien Nicolas Maduro dirigeait contre peuple vénézuélien, li voler l'argent peuple là et gouvernement Maduro a eh bien fait complot pour envahir pays les États-Unis avec drogue. Eh bien côté yo te déjà dit monsieur trafiqué un total de 250 metric tonnes de drogue qui est égal avec 51,555 livres cocaïne par année. Pas oublier nous te bay information ça semaine passée côté c'est même pays ça qui te déjà metté dossier sous tête monsieur. Eh bien jodi a noue déjà gagné 22 pays qui accompagné Nicolas et qui accompagné administration Trump qui dit yo koré déploiement bateau de guerre qui ont été eh bien sous toute Caraïbes là pour capable gain contrôle Nicolas Maduro qui pas facile côté jodi a là pendant n'a parlé à Nicolas Maduro son nèg qui vraiment en sécurité côté c'est la Russie et la Chine avec pays Cuba qui responsable sécurité citoyen ça pendant américain eux même yo continuer à faire pression nous connaît qui Jean Messier ça a été arrivé eh bien exécuter un gros bouton ton chef mais nous connaît Nicolas Maduro en tant que homme lié à l'a fait en pile précaution pour ça pas arriver et dans moment ça mais faut que moi dis nous que malgré tout pressé américain pressé yo mette plusieurs bateaux de guerre sur toute Caraïbes là pour bailler Nicolas Maduro pression et pour voir qui gens capable maîtriser Nicolas Maduro mais ça pas inquiété que yo fait des offres avec président Nicolas Maduro côté yo prouvé ça y a fait c'est un jouet coquin c'est un jouet mesdames yo prouvé que ça a fait c'est mine c'est richesse qui gagne dans pays Venezuela qui yo besoin exploiter et bien américain yo tellement besoin pour Nicolas Maduro quitter pouvoir et bien je ne saute dit là yo bay Nicolas Maduro qui c'est président actuel pays Venezuela et bien yo bal garanti depuis qu'il quitter pouvoir yo pas persécuter il a quitté en repos depuis monsieur quitter politique non seulement quitter pouvoir américain yo dit faut que monsieur soit exilé tête li soit li quitter pouvoir li pas dans politique laisse ça monsieur tout bagaille fini monsieur pas gain dossier sous dans encore d'après et bien note et bien qui c'est administration Donald Trump là même yo était dehors et bien ça prouvé clair et bien nèg yo c'est mine c'est richesse qui gagne dans pays Venezuela que et bien Nicolas Maduro lui empêché yo puis capable venir diriger gaz que yo gagne dans pays Venezuela pour américain yo prouvé président Nicolas Maduro actuel président pays Venezuela pour yo montrer le côté yo remel yo pas vle persécuter yo pas vle pour la ville passer mal malgré jodi hein, en termes de cas qui recensé pour question et bien virus corona qui a pé papier col tout partout dans le monde nous c'est américain qui en tête jodi hein, même j'aime penser ou même qu'a penser le tout qui pas le temps de nous. C'est de ça qui ta priorité pour yon nan moment. Noue, priorité ou presque, c'est, eh bien, pays Venezuela qui coûte yon vle pour Nicolas Maduro li même li ta font kraze qui te sa, ou di mwen si yon arrête l, ou di mwen si yon exécute l. Ça pousse yon pays tan kou la Russie, pays la Chine, pays ki ba, vin renforcer sécurité président Nicolas Maduro. Eh bien, pour Américain yo prouvé Nicolas Maduro que yo apprécié, que yo pas ta remen persécuter, eh bien yo pote quelques conseils ensemble avec administration Donald Trump dit à président Nicolas Maduro, li ta supposé comme conseil, li ta supposé accepter prendre exil. Ou bien liquider pouvoir et puis retirer col dans politique, retirer col dans politique, sinon y a prend à force. Donc est-ce qu'il y a une raison là pour après toute déclaration ça yo si c'est pas la mafia qui a dirigé monde là, et bien pour t'a gagné plusieurs pays qui étant à faire solidarité avec un pays tant que les États-Unis.
ça pas fait sens. Après toute ça déclaration que monsieur fait, li prouvé à clair que pas gagné qu'un dossier. Mais yo pas gagné qu'un dossier dans main pour président Nicolas Maduro. Et assurément si monsieur te gagné dossier dans main pour Nicolas Maduro, assise ici n'a été qu'à mettre dans barcode. Et assurément en tant que pays, tant que la Russie, la Chine, yon pays tant que Cuba, pas tap allié, pas tap et bien porter solidarité avec président Nicolas Maduro. Et même que diversion que et bien administration Trump qui a fait, nous y a changé langue, y a changé langue. Nous y a pas gagné un bagage qui fondé vraiment, mais ça qui est important, nous connaissons depuis les Américains mettent un dossier sur vous. Ils mettent faire la lose, c'est stratégie au gain pour une bataille. Et pas oublier mes amis, l'important pour nous laver mes nous à chaque fois nous et bien sentir mes nous sales. Avant nous mettre mes nous visage, devine sentir nous avant mettre mes nous visage, nous assurer que nous laver mes nous. Et bien faut que moi dis nous que avant nous aller, et bien je dis à la Américain, ils ont même déjà voué un total de 68 immigrants. Et bien back dans pays d'Haïti, et bien côté immigrant ça yo ta gen problème avec et bien et immigration dans pays les États-Unis. Non, ça nous est là jodi hein. Ça nous est là jodi hein. Ouais, pas gen affaire des amis, pas gen affaire des amis dans monde ça. Tout nèg a veille affaire pauvre. C'est seul Haïti. C'est seul Haïti qui comprennent que et bien l'autre pays ami yo. Yo et ça fait yo pas vle faire effort pour yo travail, yo pas vle faire effort pour la taille dans rien. Qui n'est pas dans le pouvoir, qui n'est pas dans l'opposition. C'est pour aujourd'hui, là. Tout n'est pas Haïti, vous toujours pensé que depuis le pays, il y a un problème, il y a une aide internationale. Il y a une des Américains, les États-Unis qui ont porté une aide. Il y a une, un pays, tant que la République Dominicaine a porté une aide, tant d'autres pays. Et bien, aujourd'hui, dans ça, nous est là, dans la question coronavirus, là. C'est pas facile d'avoir une aide dans le monde. Aujourd'hui, là, ouais, n'est pas continué. République Dominicaine a poupé haïtien ban nous. Mais États-Unis a poupé haïtien ban nous. C'est alors pour tout haïtien, yo dit que eh bien on nous font protocole pour nous penser pays nous. Parce que des salines te goumen était ban nous indépendance. Mais c'est même nous n'a que tout il dit pas de gain planifier indépendance là. C'est sur notre ça moi dis merci tout le monde, restez connecté. À la prochaine.